Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul. Ça va être un grand haul car j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais je me suis dit que j'allais mettre tout ça dans une seule vidéo, ça sera beaucoup plus simple. J'ai craqué sur plusieurs choses. J'ai craqué sur du comptoir, sur les ateliers de Karine, sur du Lorelai, sur enfin voilà, pas mal de choses. Vous allez voir, j'ai commandé une partie sur Carglass, j'ai fait deux petites commandes et après j'en ai fait une grosse sur Crea Scrap by Steel. On va commencer par Carglass, donc c'est parti. Donc en cadeau, j'ai eu les fameux gels hydroalcooliques, là j'en ai eu deux vu que j'avais fait deux commandes. Et j'ai eu en cadeau un badge car j'ai craqué sur la nouvelle collection des ateliers de Karine à contre-courant. Et j'ai eu ce petit cadeau, enfin ce badge en cadeau. Donc franchement, il est trop joli. Il est dans les tons roses en plus. Très doux. J'aime beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on passe dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous montrer les ateliers de Karine. Donc j'ai craqué sur ce petit tampon. Bon, celui-ci, ce n'est pas les ateliers de Karine, c'est Florilège Design. Mais j'ai eu un gros coup de cœur sur la baleine. Je l'ai trouvée trop mignonne. Du coup, je l'ai prise, voilà, tout simplement. Voilà, la pelle de l'océan, les trois petits poissons. Franchement, il est trop kikinou. Donc, voilà. Maintenant, on passe avec les ateliers de Karine. J'ai pris le fameux petit hublot. Voilà, je le trouve trop mignon. Je me suis dit, pour faire un devant d'album, ou ça passe super sympa. Voilà. Comme ceci, vraiment très joli. Ensuite, j'ai craqué sur l'encre avec marqué océan. Il est comme ça. Voilà, il est trop beau. J'aime beaucoup le design comme ça, c'est très joli. Il est magnifique, j'adore. Il est trop beau. Voilà, ça a été mon premier coup de cœur. Celui-ci, l'encre là, le fini avec l'océan là, c'est trop stylé, j'adore. C'est magnifique. Donc voilà pour ce dies là. Et après j'ai pris une planche de tampon. C'est la seule qui me plaisait parmi les tampons. Ouais, mais elle est trop belle. Vous voyez, il y a la méduse. Là il y a des petites fleurs. Là sous le bleu du ciel, la plage, le port, poste carte. Attention, départ imminent pour l'océan, le soleil, les plages. J'aime beaucoup la tortue là avec les petites fleurs dessus. Et là la grosse baleine. Voilà, trop mignonne. Voilà, la petite baleine parce qu'elle est petite. Vacances, direction le bonheur. Franchement, je la trouve trop belle. Donc voilà pour cette planche-ci. Maintenant, on passe avec du comptoir, car j'ai commandé du comptoir sur Carglass. Je vais décaler tout ça sur le côté. Donc, j'ai pris ce dies de relayure de chez Comptoir. À chaque fois que je veux le commander sur Comptoir, il est toujours en rupture. Là, alors que je vous parle, je ne sais pas s'il est revenu ou pas. Mais bon, voilà, j'ai craqué dessus et je pense aussi prendre le fameux dies, mais pour le classeur, quand j'aurai l'occasion de recommander. Donc voilà, parce que c'est vraiment pratique, ce petit dies là, comme ça. J'ai vu beaucoup de créa avec et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, donc le reliure 3 anneaux. J'adore. Trop joli. Donc voilà pour ça. Et après, j'ai pris les fameux papiers en... Uni, c'est la nouvelle collection bouquet de douceur. Je vais vous montrer ça. Alors après, je vais vous montrer vite fait parce que je sais qu'il est passé pas mal sur les réseaux. Donc là, ça va être vraiment assez rapide. Après, si vous voulez voir mieux en détail, je vous invite à aller voir carrément le site. Ça sera plus simple. Donc là, vous voyez, il y a un papier uni dans les tons un peu gris. Voilà, hop. Ah, c'est sympa, il est très doux. Après, il y a un dans les tons un peu mint. Très joli. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Voilà. Et derrière, ça fait un effet un peu nuage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On ne voit pas grand-chose, j'ai l'impression. Celui-ci, il est très beau. Ça fait des nuages, là. Trop joli. Et là, c'est un bleu un peu canard. Très joli. Là... Magnifique celui-là, ça fait un peu pêche, j'aime beaucoup. Voilà, pêche, super joli. Hop, là, ça
c'est un rose. Ah, ça fait, en fait, ça fait en fait, il y a un côté nuage comme ça et un côté uni mais avec la même couleur qu'il y a là. Vous voyez? Rose comme ça. Franchement, les papiers unis sont trop trop beaux. La corail comme ça, c'est magnifique. J'adore. C'est sublime. Là, un petit orangé. Enfin, orangé, corail, je sais pas trop exactement, mais... Là, je dirais peut-être plus corail. Et là, plus un orangé un peu plus pétant, je dirais. Mais il est très beau. Et on finit par du jaune. Vous voyez, il est beau le jaune. On le voit bien celui-là. Et un comme ça. Donc voilà pour les papiers de chez Comptoir. Enfin, je vois pour les commande, enfin, les deux commandes de Carglass. Maintenant, on passe avec les, la boutique Créa Scrub et Seal. Ouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, en cadeau, j'ai eu ceci. Voilà. C'est une petite planche sur l'été. C'est les petits mots d'éphéméria. Donc, vous voyez, ça va être super génial. Voilà, c'est des petits stickers. Ils sont vraiment très, très beaux. J'adore. Ensuite, j'ai pris... parce qu'en fait, j'ai craqué sur la collection Béatrice Garny. La nouvelle, voilà, qui s'appelle, je sais plus comment, Bord de mer, je crois. Je crois que c'est ça, ouais, Bord de mer. Et non, c'est pas Bord de mer, c'est le Das Bord de mer qui s'appelle. Mais la collection de Béatrice Garny, je sais plus le nom. Bah si, j'irai voir la mer, voilà. Et du coup, j'ai pris ces dies-là parce que j'ai pris les papiers avec et je voulais les assortir avec ou pas. Mais en tout cas, j'ai adoré ce dies. Je le trouve trop, trop joli. Voilà, avec la petite tortue, le petit coquillage, les trois poissons. Vous voyez, ils sont trop, trop jolis. Donc voilà pour ce dies-ci. Et maintenant, ça va être quasiment que du papier que je vais vous montrer. Donc, j'ai craqué sur cette collection de Lorelai, Bord de mer. Ça s'appelle la collection à contre-courant. Donc, j'en ai pris deux, mais je vais en déballer qu'une seule. Je la trouve trop belle. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, un peu dans les tons bleu et rouge, là. C'est trop canon. Hop. Donc, déjà, dedans, il y a des petits tags. Alors, regardez-moi ça. C'est trop joli. J'adore. C'est magnifique. Des petits tags, là, comme ça. Donc là, il y en a 5. Ils sont vraiment très beaux. J'ai craqué sur cette collection-là, avec les coquelicots et tout. C'est très beau, joli. J'adore. Donc là, on commence avec les fameux, enfin, les fameuses petites, petites cartes, là, un peu effet Polaroid, qu'on peut utiliser pour le Project Life. Voilà. J'allais dire Polaroid, n'importe quoi. Pour le Project Life, donc ça c'est super sympa, j'aime beaucoup ces petites cartes, ça fait vraiment son effet je trouve. Bon, d'ailleurs c'est comme ceci avec des petits bateaux, voilà, il y a des petits cœurs là, vous voyez, dans la petite dans la voile, voilà, hop. Ensuite il y a celui-ci il est trop trop beau, regardez-moi cette beauté, j'adore, c'est sublime. Je me rapproche un petit peu. Franchement, c'est trop beau. Et derrière, c'est comme ceci. Franchement, j'aime beaucoup ce fond. C'est magnifique. Ce côté un peu parquet, là. J'adore ces petits designs, là, vous voyez. C'est canon. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Là, c'est des fameuses rayures en diagonale. Dans les tons bleu marine. Et derrière, c'est comme ceci. Franchement, j'adore ce design, il est trop beau. Avec ces coquelicots là. J'adore les coquelicots, donc forcément, ça pouvait que me plaire, cette collection. Elle est trop jolie. Ensuite, là, il y a celui-ci avec les petits ronds. Ça fait, on dirait presque des petits hublots, on dirait. C'est très joli, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Et derrière, un autre effet un peu bois. Mais plus dans les tons bleu marine. Il est trop beau, j'adore. Je suis trop fan de cette collection. Ça a été un coup de cœur, mais je vous dis pas comment. Là, j'aime beaucoup les petits designs. Regardez, c'est trop beau, hein. Les petites vagues, là. Et derrière, c'est les petites... La corde, en fait. Mais c'est trop beau. J'adore. Magnifique. Hop. Ensuite, et pour finir, il y a ce papier-là.
qui est juste trop beau. Hop. Franchement, j'adore. Il est magnifique. Et derrière, c'est comme ceci. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Voilà, hop. Donc, voilà pour cette collection de papier. Hop. Ensuite, bon, je rangerai ça après. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai craqué sur notre collection de papier sur le thème de la mer. Du coup, bah là, je vais vous montrer la collection de Béatrice Garny. J'irai voir la mer. Alors. Voilà. Donc, on commence avec les fameuses petites cartes, voilà, que vous pouvez toujours utiliser pour le Project Life. Donc ça, c'est parfait, parce que je me dis cet été, si je vais à la mer, ça va être pas mal pour mon Project Life. Et vous voyez, et là, c'est la fameuse petite tortue que j'ai pris en die, du coup, que je vous ai montré juste avant. Franchement, trop jolie. Derrière, c'est comme ceci, c'est des petits carreaux. Voilà, trop joli. Hop. Ensuite, là, il y a des petites vagues. Trop mignonnes. Hop. Et derrière, les fameux coquillages. Elle est trop belle, cette page. J'adore. Sublime. Hop. Ensuite, il y a un effet un peu bois. Voilà. Très joli. Et derrière, il y a les petits poissons. Voilà, trop mignonne. Voilà, ensuite il y a des rayures qui partent un peu en biais. Voilà, très joli, en étant un peu, je dirais, du orangé. Voilà. Et là, c'est un effet craquelé. J'aime beaucoup. C'est très joli. Voilà. Ensuite là, c'est, je dirais, des algues, je pense. Ouais, je dirais plus des algues sur celui-ci. Hop, très joli. Là, c'est dans les tons un peu pêche. Voilà. Et là, les poissons. Celui-là, il est trop beau, là. Cette page poisson, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... j'adore. Hop, et la dernière page. C'est celui-ci avec des petits losanges. Très joli, dans les temps un peu pêche aussi, vous voyez, très joli. Et derrière, des algues. Trop joli. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que les couleurs, elles sont très, 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 très douces. Et franchement, c'est génial. Donc, je mets ça de côté, je rangerai après. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'allais oublier les étiquettes qu'il y a dedans le kit de papier. Voilà, vraiment très joli, vous voyez. Hop. Franchement, trop, trop belle. J'adore. Super jolie cette planche. Les rayons du soleil, je me prélasse et j'aime ça. Franchement, trop joli, j'adore. Donc voilà pour ce kit de papier. Je remettrai ça dans l'emballage après. Et pour finir, bien sûr, qui dit dies, tampons, des athées de Karine. Forcément, j'ai craqué là-dessus aussi. Là, clairement, je suis équipée sur le thème de la mer. Hein. Là, j'ai de quoi faire. D'habitude, je suis pas trop... thème mer. Mais là, je vous avoue que j'ai craqué, mais de partout, parce que c'était tellement beau. Et je n'ai pas réussi à faire un choix. Et j'ai dit, allez, vas-y, craque, parce que... allez, c'est trop beau. Hein. Voilà. Donc, c'était obligé de craquer. Et voilà. C'était obligé. Donc, on va commencer par là. Donc là, tout d'abord, on a un calque. Voilà. Sur... c'est des vagues, voilà, très jolies. Super sympa. Hop. Ensuite, il y a celui-ci, vraiment très joli, un peu effet aquarelle. Et derrière, c'est comme ça. J'aime beaucoup le design en bas, c'est très joli. J'adore. Hop. Ensuite, il y a celui-ci, hop, très beau. Et celle-ci. Celle-là, elle est trop belle, avec le monde là.
C'est magnifique. Les mouettes là. Trop beau. La pieuvre, octopus. Celle-ci, elle est magnifique. Hein. Franchement, sublime. Ah non, le soleil s'en va. C'est pas vrai. Hop. Alors, ensuite, il y a celle-ci. Hop. Elle est très belle cette page, j'aime beaucoup. Voilà. Et celle-ci, hop. Hop. Voilà, très jolie. Après, il y a celle-là. J'aime beaucoup les effets un peu comme ça, là. C'est très joli. Et derrière, c'est comme ça. Franchement, trop belle. Trop, trop belle. Ah, ça y est, le soleil, il revient. Hop. Franchement, cette page, elle est magnifique. Ah, j'aime trop. Trop, trop beau. J'adore. Ensuite, il y a celle-ci. Ça fait un côté un peu écaille. Très joli. Après, il y a celle-là qui est trop belle. Regardez-moi ça. J'adore. Là, on se retrouve vraiment sous l'eau, là, vous voyez? Dans la mer. Voilà. Et pour finir, il y a celle-ci. Voilà, très belle. Et derrière, ben, il y a les fameuses étiquettes qu'on peut utiliser ben, toujours pour le Project Life. Donc ça, c'est chouette. Et c'est sûr que ça va être découpé, ça. C'est certain. Voilà, c'est certain, certain. Parce que franchement, il y a des jolies petites phrases. Des jolies petites cartes que je peux utiliser pour le Project Life. Celui-là, il est beau, celui-là. Même le phare, là. Canon. Tout est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour tous ces achats. Moi, en tout cas, je suis très contente de tout. Franchement, je vais me régaler à scraper. J'attends juste que l'été passe pour pouvoir faire plein de photos. Voilà, si je vais à la mer ou quoi, ou même. Même si je vais pas à la mer, je me dis l'été, c'est les coquillages, le sable, le machin. Ça peut très bien aller. Donc voilà pour tous ces petits achats. J'espère que ce haul vous aura plu. Et puis nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!